Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Central Radio, l'émission de votre magazine Face à Face. Face à Face, c'est cette émission que vous avez le privilège de suivre tous les jours de la semaine à 19h, juste sur les ondes de la Central Radio, l'émission de ce magazine commence avec grand retard, mais le papa m'a vu, et notre bon programme, et c'est sur les interruptions artistiques de l'énergie et de la mentalité. Si nous espérons que les agents restent inactifs, on va pouvoir résoudre ces petits soucis qui nous empêchent de servir à notre passion universelle à temps, comme on pourrait souligner. Alors, faites des excuses à vos chers téléspectateurs, c'est pas grave, on va espérer que nous commençons cette émission avec une bonne réclame. Donc, à cela, nous tenons votre magazine Face à Face qui se focalise aujourd'hui sur une question importante qui entre les esprits de la population universelle, de ceux qui vivent la presse et ses intérêts. Ont besoin de trouver des réponses aux adéquates. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous cessons de parler. Également, la République démocratique du Congo. Quelle est la gravité de l'enseignement? À quel impact les élèves qui apprennent dans les différentes écoles? Comme dans ces encadrures, est-ce que ça a un impact positif ou négatif? Si l'impact de la gravité est positif, en quoi la gravité a un impact positif? Si l'impact est négatif, en quoi il est encore négatif? On parle avec notre invité, notre invité, un décisoire qui est communicateur adjoint au centre du parti politique du règlement immédiat de la nation. Qui accompagne la vision salvatrice de Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Je demanderai à Daniel Milamboué de pouvoir nous aider pour la meilleure audition auprès de nos téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent de partout. David Kassi avec un bon système managérial du côté de la technique, bien sûr, parce que la population ricassienne a besoin de bien nous suivre. Alors, comme j'étais en train de le dire, il est communicateur adjoint au sein de l'Union sacrée de la nation, ville d'Ilikassi ou coordination de la montagneuse ville d'Ilikassi. Il s'agit de messieurs Kaboko Wamila Boanerges. Merci beaucoup. C'est avec lui que nous allons devoir analyser de fond en comble ces thématiques qu'on venait d'étayer à votre disposition, vous téléspectateurs qui nous suivez partout à Ilikassi et ses encadures. Il s'appelle Kaboko Wamila Boanerges. C'est lui notre invité à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Trésor. Vous allez bien? Oui, très bien. Ça va. Ça faisait longtemps. Ça faisait vraiment longtemps. Alors, voilà une toute nouvelle circonstance nous a réunis aujourd'hui. Pourtant, il y a ça. C'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, la politique, elle a ses caprices. Nous devons justement aller un peu prendre la température de l'autre côté. Nous avons travaillé, nous avons eu l'opportunité de rencontrer le président national de notre parti politique, le ministre Kima Samalima, qui est vraiment un homme qui se bat pour la cause de la réduction du statut d'État. Et aussi, il s'épère que nous sommes, alors il fallait bien visiter le voir un peu. Certains pensaient que c'est le candidat qui passait. Mais non. Je n'ai fait qu'un mois là-bas, alors okay. Et voilà, je suis de retour ici. D'ailleurs, le congrès se tient très bientôt, le 4 novembre, alors si tout va bien, nous y serons. On parle de la gratuité de l'enseignement. Exact. Initiative de l'Union sacrée de la nation, parce que exact. C'est vrai que la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle, mais c'est depuis que l'Union sacrée au pouvoir que cette gratuité s'est matérialisée. Oui. Sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, vous n'avez pas les osé. Félix Tshisekedi Tshilombo a osé lancer la gravité contre vents et marées. La gravité tient jusque-là. Est-ce que vous pouvez confirmer d'entrée de jeu à cette population ukrainienne que la gravité est limitée? Exactement. Je vais justement essayer aussi d'être un peu direct okay. Pour que Bandouille puisse comprendre les choses. Félix Antoine Tshilombo, qui est le président de la République actuellement, c'est un monsieur qui a plein d'amour, qui manifeste une volonté de servir la population. Et il est le seul président jusqu'à aujourd'hui en Aweka en place
gratuité de l'enseignement. Et jusqu'à présent, il coûte effectif sur toute l'étendue de la République. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu vraiment le privilège de faire un peu une investigation. J'ai été à l'école Bakita, où j'ai été allé voir le préfet de l'école Bakita. Il m'a rassuré que la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, pour ma école lyotée publique, il coûte effectif. Maintenant, aujourd'hui, nous pensons que Bantu Mamini fait un peu ma confusion, au sens gagné. Donc, on n'a que gratuité de l'enseignement au niveau secondaire. Non. Ici, la gratuité de l'enseignement, c'est uniquement au niveau primaire et nous allons commencer à aller pour l'école. Parce qu'aujourd'hui, essayez de voir avec la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Les élèves ne paient aucun frais. Vous êtes sûr? Aucun frais. Exactement. Moi, j'ai été même aujourd'hui aller voir le préfet au niveau de Bakita. Au moins, les téléspectateurs qui vous suivent savent aussi que la gratuité est effective. Oui. Il n'y a aucune école publique ou conventionnée catholique où on paye. Voilà, j'aimerais aussi préciser à cela. Et puis, mon école publique, il y a une gratuité de l'enseignement. Je précise qu'au niveau primaire, il coûte gratuit. Vous voyez? Pour ma école conventionnée catholique, quand on parle d'école conventionnée catholique, c'est qu'elle est ni l'État, la banque privée, la banque à la banque, la signer convention, la boutonique. Alors, pour ma école conventionnée catholique, il faut observer la gratuité de l'enseignement, mais il est ma école conventionnée, elle est conventionnée, ma école privée catholique. École privée catholique, école privée protestante, vous voyez, il est yo, aïna, n'a observé la gratuité de l'enseignement. Quand on parle, il y a convention, l'État, l'Église catholique, l'État, l'Église protestante, on a seulement que, chié, enseignant, l'État, dans un pari pas. Enseignant, l'État, dans un pari pas, n'a fait des fonctionnements, une autre rapide niveau l'État, niveau y a primaire. Je parle, on a que, ma école primaire, il vient Léo, catholique, il faut observer. Mais il y a aussi, par exemple, l'exemple de Ouzima. À Ouzima, il y a les deux cas. Il y a des écoles primaires conventionnées, catholiques, qui ont un contrat avec une convention avec l'État. Donc la fois, il est strict observance, il y a des maltraités, les parcours. Quand il est parti, il est toujours à Ouzima, il y a Aïna. Il y a une convention dans l'État. Il y a une école catholique mais privée. Il y a des fichiers maintenant, par élève. On a acheté un peu. Alors aujourd'hui, Bazazi Bengine, avant qu'on a construit le bateau, on a pour l'ISA. Il faudra demander un régime gagné ou un régime, les maçons tournés dans la boule. Est-ce que il y a une convention dans l'État du premier bateau? Oh non, gratuité de l'enseignement, est-ce que Biakouer mourir dans une école privée catholique? Un ami privé conventionné, ouais un peu, où il y a un contrat dans l'État et aussi dans la privée, mais enfin il y a des conventions. Et puis, est-ce que Mourenda aussi, comme école publique, on a un dirigeant, pas d'autoyer nous, pas de même c'est ma, pourtant ça ne pourrait pas. Alors, il y a ma confusion pour Bazazi, il y en a par exemple, alors m'inscrire une autre école privée catholique. Entendez-vous que après tout temps ça ne coulit pas? Mais il a été démontré que la gratuité de l'enseignement a été précipitée par le régime. Voilà la raison de ce sujet. Mais non, ça n'a pas été précipité par le régime. Vous savez, aujourd'hui, voyons d'abord, monsieur Trésor. Aujourd'hui d'abord, puisque j'aime bien parler avec les faits à la fin. Les faits à la fin. Par le passé, l'enseignant aujourd'hui bénéficie quand même d'une indemnité de transport et l'indemnité de logement dans certaines contrées. Là, c'est le régime de Tshisekedi qui vient d'établir. Les enseignants qui me suivent vont dire la même chose que moi. Là, c'est le régime de Tshisekedi, l'indemnité de transport et l'indemnité de logement. Jusque même à aller au milieu moulé, beaucoup des guerres, les milieux comme Masisi, Rutshuru et Kwamutu. Vous voyez? Ces contrées là-bas aujourd'hui, nous la bénéficier avec les enseignants qui sont là, bénéficient aussi de primes de bourse pour dire que l'État, nous n'avons pas en charge, puisque bon d'abord, nous avons ma situation, moi, il est
il coupe vraiment particulière, il a nécessité l'État ébapouillé. Et puis aussi, pourquoi attendre demain si aujourd'hui nous pouvons mettre en place la disposition constitutionnelle de l'article 43 qui parle de pouvoir mécaniser, de pouvoir accompagner la nation, la population par la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est une disposition qui est mise en place par ce qui est dit. Et aussi, n'attendons pas qu'il y ait justement, la réussite d'un clin d'œil. C'est pourquoi on a commencé par le primaire, d'observer Malakini et Takuyako. Et jusqu'à aujourd'hui, les enfants, tôt il y a scolarisation, il n'y a pas de. Tôt il y a scolarisation, il n'y a pas de. Mais s'il vous plaît, avant qu'on arrive à ce stade, oui. Dites-nous s'il faudra évaluer oui. Sur l'échelle des 100%, oui. Combien de pourcents vous attribuez à la réussite de la faculté ? Parce que pour vous, c'est une réussite. Mais exactement. Moi, je peux donner 95%. 95%. 95%. De la réussite. Puisque aujourd'hui, regardez. Comment vous prouvez cette réussite ? Si vous pouvez prouver cette réussite, et que ces téléspectateurs qui nous suivent, ces auditeurs qui nous écoutent, oui. puissent confirmer, noir sur blanc, okay. que la gratuité a réussi à 95%. J'aimerais déjà commencer par le cas. Il arrivait un temps où, quand le président est arrivé au pouvoir, j'avais du mal de fois à payer pour certains frères que j'encadre au niveau de Yamasomo dans le temps. Mais quand Bantombi a seulement gratuité de l'enseignement, il n'a plus à quoi. Et que c'était justement des frais dérisoires au début là-bas, mais aujourd'hui, il s'appelle effectif pour l'ivoire primaire. Vous voyez un peu, on a commencé à payer. On a commencé à payer, c'était justement au niveau de la secondaire, mais primaire, c'était gratuit. Et puis aussi, un fait que j'aimerais aussi relever, il faut que ma téléspectateur, regardez l'opinion publique au niveau de la RDC, c'est régi par des gens justement, comme Mounanza proposé Maswali, Mounanza pour faire balader micro. L'opinion publique au niveau de la RDC est très faible. D'où le président de la République a à comprendre que c'est aussi par manque de scolarisation. Regardons aujourd'hui nos frères et sœurs, Batotoye, Touba Lokoye, Touba Bekuna, aujourd'hui, Moumamine en train de chercher de quoi se nourrir, de quoi manger. Mais aujourd'hui, si le président de la République a eu la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, regardez combien d'enfants aujourd'hui vont à l'école. Combien d'enfants aujourd'hui vont à l'école? Bamingi, des gens qui chômaient à l'école, à la maison plutôt, qui chômaient à la maison, mais aujourd'hui, à cause de la gratuité de l'enseignement, ces enfants vont à l'école et chaque jour. Et au-delà de tout, les enseignants, il y a au moins une augmentation de 60 000 sur leur salaire. Voyez un peu, 60 000 sur leur salaire. Et là, c'est un fait que je vous donne très palpable. En dehors de ça, où ma indemnité de transport, il y a des indemnités de logement aux 5 qu'on donne. Et puis aussi, à Aïché et Palé, les frais de fonctionnement que l'État donne. Imaginons aujourd'hui, nous avons plus de 700 000 d'abord enseignants au niveau de la République. Nous avons plus de 700 000 enseignants que le gouvernement prend en charge. Si on essaie de prendre les 50 000 francs d'abord, ou qu'on donne à chaque enseignant, c'est presque la moitié du budget de l'État. C'est presque la moitié du budget de l'État. Mais quand quelqu'un, on a une volonté, à ce moment-là, Congolais, ensemble, on ne varie pas au moins. Pour commencer, on donne d'abord 50 000 à chaque enseignant comme ajout sur salaire et certaines indemnités, il n'est pas faux. Et puis aussi, par-dessus tout, n'oublions pas, les retraités aujourd'hui encore sont pris en charge au niveau de la CNSA. La CNSA prend en charge les retraités. Et en dehors de cela, il y a aussi une prime de fin de service pour les enseignants que le ministère de l'EPST est en train de payer à chaque enseignant. Vous voyez un peu ça? C'est quelle volonté? Imaginez, pendant 30 ans, on n'avait jamais des retraités, ici en RDC. 30 ans, Kabila à Napita, même Mouzé aussi à Napita. 30 ans, il n'y avait jamais des retraités ici. Mais avec la volonté de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des 65, il y avait des gens de... C'était, palier à Kwenaku, 65 ans à 105 ans. Il y avait des papas, et on a 105 ans, et on a Fundisha, et on a Tchunga, à Tendaro, pour être Chikokani. Mais avec la volonté politique du président de la République,
anapuya anaza kulipa bale bantu bali prime ya bombele ya ya nani ya 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 retraite et puis aussi la CNSA les paye maintenant très mieux chaque mois à cause ya nini ya na justement ya prise en charge que l'État justement a implosé au niveau de la CNSA. Et d'abord au-delà de tout ça, regardez aussi d'abord, puisque on parle de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement fait appel aussi à la mécanisation justement des enseignants. Aujourd'hui quand même, les enseignants, il y a une certaine volonté que comparativement à Zaman, ils sont quand même aujourd'hui mécanisés. Merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît, vous allez continuer. Je rappelle aux téléspectateurs et de nous envoyer leur SMS via le numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Ne nous appelez pas encore, s'il vous plaît. Envoyez vos SMS au 099 389 33 24. 099 389 33 24. 081 008 14. 081 008 14. Pour ceux qui nous suivent du côté de la radio, donc prière de nous envoyer aussi vos SMS via ces deux numéros de contact. À un moment, on donnera la chance d'interagir. On aura à prendre juste quelques appels avant de conclure avec cette émission qui traite sur l'impact de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo en général, mais également dans la montagneuse du Délicacie en particulier. Notre invité, c'est tout simplement les communicateurs adjoints au sein de l'Union sacrée de la Nation, coordination de la montagneuse du Délicacie. On l'appelle Kaboko Mwamila Bonerges, qui est notre invité sur ces plateaux de la centrale radio et télévision. Alors dites-nous, parce que la gratuité est effective, vous venez là de démontrer les bons côtés de cette gratuité de l'enseignement. Mais il nous a été démontré par plusieurs personnalités. J'ai cité nommément les cardinals Fridolin Ambongo Bessungu, qui a dit la gratuité de l'enseignement a fait céder la qualité de l'enseignement à la médiocrité. Voilà. C'est. Vous savez, d'abord, j'aimerais d'abord intervenir sur un point. Il y avait eu d'abord des accords de Dibo, les accords de Dibo. Il est le gouvernement, il y a Kabila, il y a Tchaka, ma responsabilité. Bastien Macro, ils n'ont pas su tenir d'abord les responsabilités et les accords. Et aujourd'hui, le gouvernement de M. Tshisekedi Tshilombo, dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, a été d'abord obligé, Yaku, respecter l'accord qui avait eu entre le banc syndical et le gouvernement. Banc syndical et le gouvernement, il y a Kabila. Voilà un peu. Le principe de la continuité. Exactement, oui. Le principe de la continuité de l'État. Mais quand vous laissez des problèmes, nous devons d'abord venir Fujimi Chambelemoto et puis Djako Ndeleye. Et puis par après, nous allons revenir, nous dire que non, qualité de l'enseignement et tout ce qui va avec. On doit d'abord se mettre d'accord. Aujourd'hui, regardez, Banassé Matou, rentrée scolaire, les Chico Fulani, Banco de Banine. Mais autant passé, Birikouadji, sur quoi il m'a date, moi, il dit, Banassé Matou, Banassé Matou, quand il est date. Avec ce que vous dites. Mais exactement, il y avait des tractations. Il n'y avait pas de respect vraiment à la loupe de la date de la rentrée. Mais aujourd'hui, par la ferme volonté du gouvernement en place, il y a un accord, il y a plutôt un dialogue social avec le banc syndical. La qualité et aussi, a cédé la place exactement. À la médiocrité. Et aussi, la qualité a cédé la place à la médiocrité. Je vais maintenant vous dire d'abord une chose. Quand est-ce que d'abord la qualité a cessé d'accompagner l'enseignement à l'ADC. Exactement. Est-ce que ce régime de M. Félix Antoine, ce qui dit Tshilombo, ce n'est pas à ce régime? Ne faisons pas porter le chapeau à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tant que déjà nous avons un grand problème avec notre système. Donc là, vous remettez quand même en cause les propos du cardinal Fridolin Ambongo. Oui, mais je c'est un intellectuel quand même. Il a la maîtrise du secteur de l'enseignement, oui. C'est un homme comme moi qui peut aussi faucher dans le sens Yapoussema. Ah. Oui, parce que oui, ces paroles ne peuvent pas être justement comme une évangile. Vous êtes sûr que la gratuité a ramené la qualité? J'aimerais vous dire une chose. Je vais vous prouver au gré à gré. Okay. La qualité de l'enseignement a eu déjà des problèmes depuis Kabila. Où déjà nous avions constaté des bévues. Léo Onan, Batoto, qui vont à l'école, nous avons quel genre de diplômés aujourd'hui, où
à l'examen d'État ni par ma circuit. Moi, j'ai été aussi victime de cela, mais je n'ai pas participé pour ma circuit. Vous allez dire que la qualité a commencé par mon étape, il y a gratuité d'enseignement. Et puis, j'aimerais vous dire une chose. Il y a d'abord trois axes sur lesquels le ministère de l'EPST est en train de fonctionner. Le premier axe, c'est d'abord l'accès de chaque élève au niveau, il y a ma infrastructure scolaire. Deuxièmement, c'est la qualité. Et troisièmement, c'est la gouvernance. Vous voyez, l'accès aujourd'hui, elle est mécanisée grâce aussi à la gratuité de l'enseignement où chaque élève du primaire a accès justement pour ma... comment dire, somme et on la funda comme il se doit. Deuxièmement, c'est au niveau de la qualité. La qualité de l'enseignement aujourd'hui est en train de pouvoir monter au niveau par rapport à Yansama. Puisque l'État, ben oui, j'aimerais vous dire une chose. Nous avons d'abord hérité d'un système éducatif au niveau au niveau d'abord de par nos colonisateurs. Ce système éducatif aujourd'hui ne nous est pas bénéfique d'abord. Et puis, pour nous qui continuons avec ce système éducatif, nous n'avons pas cerné les contours du système éducatif. C'est ce qui a fait la chute. Aujourd'hui, voyons nos universitaires Babare et Bounaïcha. Quand ils finissent, quels sont leurs sorts? Nos jeunes frères qui finissent comme humanité, quel est leur sort? Essayez de comparer même niveau il y a Kwanjika, même de la compréhension. Et ils n'ont pas étudié dans la gratuité. Eux n'ont pas étudié dans la gratuité. La gratuité de l'enseignement a commencé c'est en 2018. Tous ces licenciés qui ont du mal à écrire correctement, vous voulez ne pas étudier sous la gratuité. Ils n'ont pas étudié sous la gratuité. Ce n'est pas la gratuité qui les empêche de bien écrire. Écoutez, ma téléspectateur, on va être de la fois. Tout à décrire que qualité Inachouka, c'est après peut-être 6 ans, on va voir la qualité tout à juger et après 6 ans. Puisque là, c'est encore... C'est déjà 5 ans que vous êtes au pouvoir. Mais maintenant, c'est presque 6 ans. L'année prochaine, on va tout de suite être au 6e. On va maintenant commencer secondaire. Donc maintenant, nous allons maintenant pour Fanili, qu'on arrive à que comme qualité Inachouka, bien Inapanda. Et puis, tout système a toujours eu des failles et des points forts. Et c'est pourquoi même le gouvernement est là en train d'y travailler. Vous voulez ramener nos jeunes frères aujourd'hui qui ne savent pas écrire, belle pour ma université, belle pour ma humanité, pour gratuité de l'enseignement. Mais ça serait faire une entorse, monsieur Trésor. Aujourd'hui, à tout notre moment, il y a pour évaluer les qualités, il y a enseignement au niveau, il y a primaire, puisque on n'a pas encore atteint 6 ans. Attendez les 6 ans qui va passer, on va maintenant faire des analyses. Et puis, en dépit de tout cela, qu'est-ce qu'il y a comme aussi effet? Quand le président de la République a donné le go de la gratuité de l'enseignement, il faudrait qu'aussi ma infrastructure de base, il faut atteindre. Quelles sont ces infrastructures de base aujourd'hui? C'est la construction des écoles, qui est répit dans l'article 43. Il faudrait que ma école est vraiment construite. Aujourd'hui, dans nos territoires, nous voyons des écoles qui sont nouvellement construites. Et des écoles publiques, je dis. Aujourd'hui, vous n'êtes pas content que nos enfants, nos frères et sœurs qui sont dans mon village, ma condition est bien. L'exemple de Kassenga, l'exemple de plusieurs territoires. Et aujourd'hui, quand Mambwa Bilia Mouzouri Inakouya, nous sommes toujours derrière en train de les critiquer. Mais arrêtons d'abord de critiquer. Voyons d'abord comment applaudir les exploits du gouvernement en place, de Fatshi Béton. Laissons d'abord ma prétention de côté. Monsieur Kaboko, exact. Vous venez là de démontrer bien évidemment les bons côtés oui. et la gratuité de l'enseignement. Oui. Mais vous êtes sans ignorer que. Oui. Un enseignant, pour bien encadrer les élèves, oui. il faut avoir un nombre qui avoisine 50 élèves, oui. presque au maximum dans une salle de classe. Mais aujourd'hui, il y a des salles de classe. Une seule salle de classe où il y a 180 élèves. Même si un enseignant, c'est un vertébré comme il se doit, est-ce qu'il saura encadrer
tous ces 180 élèves et faire un suivi permanent de chaque élève jusqu'à un meilleur encadrement. Ok. Au niveau de la technicité, vous voyez, oui. Il nous est demandé de, d'avoir au moins 50 élèves par, par classe. Oui. Ça va dire entre 40 et 50 élèves pour mieux suivre les élèves au niveau de la formation. Vous voyez. Et on a mis en place la gratuité de l'enseignement, ce qui veut dire Bakuya, affluence et Batoto, Manini, Kumasomo. Batoto, Batakuya, Baningi, Balebote, Bakonzare, Kuna, Kumasomo, Balafanini, Batanza, Kuna, Kumasomo. Vous voyez. Alors, déjà, on en a rien pour ma classe, on a quoi surpopulation, on a quoi surpeuplé. Qu'est-ce que le gouvernement maintenant a préconisé sur, grâce à cette question que vous venez de me poser? Madame Naria, que sur population qui t'appuie à Yamingi, il faudrait tonguezer ma masomo au niveau de ma territoire. Puisque la plupart de ma ville, il n'y a pas ce grand problème, il y a ma scolarisation. Scolarisation, souvent. Mais vous savez quand même oui. Qu'à Likassi, c'est une ville, Likassi, c'est une ville, mais il y a des salles de classe où il y a plus de 180 élèves quand même. Oui, oui, oui. Ouais. Vous avez vraiment raison. Alors aujourd'hui, déjà, j'aimerais vous dire que dans le plan du gouvernement, il est prévu de pouvoir ajouter des salles de classe au niveau de ma ville, à part ma territoire. Parce que là maintenant, le gouvernement est né par palier. On ne peut pas résoudre un problème d'un coup. Nous allons toujours par palier. C'est pourquoi maintenant, le problème, il y a projet. Quand un projet est mis en place, comment dire, nous n'avons pas ma nombre d'années. Parce qu'il y a des projets de 2 ans, il y a des projets de 5 ans, il y a des projets aussi qui vont prendre toute une vie. Comme la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, c'est pour toute notre vie. Alors d'où les problèmes qui t'appuient à Kopaka, mais le gouvernement est en train de mettre en place des mécanismes. Aujourd'hui, il y a un mécanisme Nini, des territoires d'abord. Puisque les territoires, Djomoulé, nous avons beaucoup plus des enfants à Benem, Mamasom. Barasé Nini, Tuyenge, ma hôpital, Tuyenge, à part tout mon cadre, Mamasom, Tuyenge, Mamasom et Amini. Ma territoire, par exemple, dans ma somme, à Mindjanini, il y a pour pallier, oui, Mambo, il y a affluence sur la population, il y a Batoto, Mounani, pour ma classe, il est à quoi, comment dire, un impact négatif au cadre de la formation, il y a Batoto. C'est pourquoi on a commencé avec les territoires. Et je suis sûr qu'avec le ministre qui est là, Tony Mouaba, ils sont en train, ils connaissent ces problèmes, ils vont justement arriver à cela. Et puis aussi, je vais vous dire une chose, chers les spectateurs, ça peut être pour vous une information. Vous savez qu'avec la gratuité de l'enseignement, nos frères de Massissi et de Routour, donc on a fondé sans problème. Mon ami Mbele, ma condition, Kanibo, donc on m'invite à Sayote, du matin, midi et soir, donc on m'invite à Sayote. Vous vous imaginez, donc on a fondé ma condition Kanibo, ou ça, Bata, vous fondez ma condition Kanibo, s'il n'y avait pas de gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Et puis aussi, donc on va déplacer interne. Le gouvernement a créé ma tante Moïvi spécifiquement dû à encadrer Bareba Toto qui sont dans des endroits de guerre, qui sont un endroit où il y a des menaces à chaque fois de guerre. Le gouvernement a mécanisé que mon endroit où on peut créer des tentes pour leur faire suivre ma formation. Et s'il y avait toujours la gratuité et plutôt le paiement des frais au niveau primaire, ça devait être difficile. C'est une génération qui serait sacrifiée. Mais le gouvernement est en train de travailler. Peut-être aussi que la communication ne vous est pas bien parvenue, chère population. C'est pourquoi vous ne parvenez pas à être en contact de ce que le président est en train de faire. Nous, quand même, qui suivons les informations à la loupe, nous voyons comment est-ce que le gouvernement est en train de se battre. Et puis aussi, vous trouvez qu'un enfant qui étudie à même les sols peut... Oui. Bien appréhender la matière. Mais non. Quand on parle aujourd'hui de la mécanisation, c'est aussi en termes des bancs. C'est en termes des bancs. Mon territoire, les enfants maintenant étudient dans des bonnes conditions au niveau des territoires. Plus qu'en ville aujourd'hui. Et déjà, c'est un avantage. Autant de Kabila, autant de Moussé, on n'en avait pas. Mais essayez quand même d'applaudir là où vous êtes. Bon. Essayez de voir à Kasenga, plusieurs territoires. Aujourd'hui, les écoles sont disponibles pour accueillir les enfants. Batoto Bamingi, dans ma territoire, nous avons fondé la Bizouli Sana Kouchindia dans mon ville.
Et puis la question de la ville, elle sera aussi traitée où on va donner des bonbons. Dieu va trop tôt. Déjà, ça se fait. Mon école publique, il y a, où chaque rentrée scolaire, on a renouvelé. On a renouvelé ma banque et tout ce qui va avec. C'est qu'ici, nous sommes dans un contexte où la population doit d'abord s'informer avant de nous avons une catholique au privé catholique. On a un privé catholique. Ou j'attends que vous n'arrivez pas quelque chose. Ou qui m'a conventionné catholique, vous voyez que vous n'arrivez pas ma coûte à temps moyen. Mais même, s'il vous plaît, monsieur oui. Kaboko. Oui. Il y a certaines écoles oui. conventionnées, oui. mais qui se retrouvent aujourd'hui avec les rajeunissements oui. d'enseignants. Oui. Sur 12 enseignants de l'école primaire, oui. au moins 10 ne oui. sont pas mécanisés. Et face à cette réalité, l'école s'arrange oui. avec les parents. Oui. Les parents payent oui. sans recevoir les reçus et les enfants étudient. Dans les écoles conventionnées, dans les écoles publiques, oui. qu'ils ont quand même les noms, dont okay. ils ont quand même les noms okay. sur ces plateaux. Okay. Mais dites-nous face à cette réalité, que fait l'Union Sacrée? Ville d'Élikassi, coordination d'ailleurs de la ville d'Élikassi. Ok, ok. J'aimerais déjà, pour une fois, vous rencontrer dans cette question. Ici, la population qui me suit, là. Moi, j'étais à l'école Bakita. J'ai rencontré le préfet des études là-bas. Il m'a dit, je pense que vous êtes un journaliste d'investigation, allez-y, faire une investigation. À l'école Bakita, au niveau de Tabataba, enseignant beauté de Kounebari, pas Moussouri, Sana et chaque mois, avec même une majoration des salaires dans les 2018. Ça, c'est un fait d'abord qu'il faut applaudir. Il faudra les connaître. Donc, tous les enseignants sont mécanisés. Exactement, au niveau primaire. Maintenant, au niveau secondaire, ce n'est pas tout le monde qui est mécanisé. On a envoyé une liste d'enseignants à Kinshasa. Pratiquement sur les 26, il y a 10 qu'on a mécanisés, qu'on paye. Et les 16 autres, les 16 autres sont pris en charge par le frais. Ils sont pris en charge par le frais, les parents, vous n'allez pas au secondaire, puisque gratuité de l'enseignement, et qu'au niveau, il y a primaire boule. Comme maternelle, la gratuité de l'enseignement, ni pour secondaire. Qu'on se le dise, que nous soyons concrets. Alors, Bazazi, Bamingi, de mon contexte, il y a secondaire. Pour secondaire, nous Bengine va professeur de vous ne parlez pas ou l'état, mais bipande Bengine ma liste yabo ville paripeleka donc on a mécanisé qui pande pourquoi puisque charge sociale et communale il est l'état et on a supporté. Regardez s'il vous plaît, il y a au moins 50 000 francs comme ajout au niveau il y a ma salaire, il n'y a pas professeur. Bien que ce n'est pas suffisant. Mais quand même, c'est une volonté que le président de la République a manifestée. Et puis, faites 50 000 francs fois 700 000. Nous sommes mon budget qui parle à l'État. Déjà, vous comprenez un peu la volonté qu'a ce président. Merci. La volonté ne nous manque pas, cher trésor Moutou. La volonté au niveau de l'Union Sacrée, elle ne manque pas. Et puis aussi, au niveau, il y a primaire, tous les enseignants sont mécanisés. Sauf au secondaire, il y a parti Nilele pour la mécaniser. Et puis, bon d'abord, pourquoi? Parce que nous allons pour l'école Aïfari. Après, il n'y a pas tout le monde. Donc, les écoles qui se mettent ou qui s'arrangent avec les parents oui. sont en train d'escroquer la population. Mais non. Les écoles au niveau secondaire. Primaire. Alikasi. Primaire Alikasi. Ah, l'Union Sacrée n'est pas informée? J'aimerais aller faire des investigations, mais l'une des choses, c'est que je sais, au niveau, il y a primaire, si ce cas existe, hein, ce qui veut dire que le gouvernement a les mécanismes qui parlent. Dieu nous menace, hein, il a mécanisé une. Moi, partie. Je n'ai rien confirmé, je n'ai rien okay. dit dans okay. ce sens. Okay. Moi, je parle des écoles oui. où il y a les responsables qui appellent les parents d'élèves oui. et s'arrangent avec les parents d'élèves en leur disant que. Nous avons 12 enseignants, oui. 10 ne sont pas mécanisés, 2 seulement sont mécanisés. Alors, ces 10 enseignants ont aussi droit okay, vous savez, à vivre vous savez, ou à avoir un salaire à la fin du mois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire
pour ces 10 enseignants. Raison pour laquelle les parents, de commun accord avec l'école, décident de commencer à payer sans recevoir un reçu. Non. Ça, maintenant, c'est du vol. Donc, l'école est en train d'escroquer. Oui, exactement. L'école est en train d'escroquer. Et que fait l'Union sacrée en sachant cela? Voilà. D'ailleurs, nous allons bientôt, nous allons justement essayer de soumettre cela au numéro 1 de la vie, pour cette question. Puisque la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, elle est effective, Bazazi. Bachimikure, Mamakuta, en termes, il m'a reçu d'avoir Kumilanda Bongo. Au niveau, il y a primaire des coûts mécanisés. Sauf que pour secondaire, parce que mécanisé, ma école en Guinée, ma professeur, ma liste pour Kinshasa, il parle de mécaniser, il dit d'abord, progressivement, puisque il m'a charge vous social. Mais pour ceux qui font cela, mon enseignement que Abba, comment dire, deux, Bachakou a mécanisé, 10 par exemple, ne sont pas mécanisés, et puis vous payez, Abba m'a reçu, c'est du vol. Alors, nous allons descendre. Et d'ailleurs, avec nous allons faire part de cela au maire de la ville, nous allons descendre sur le terrain, on va voir un peu ces écoles qui font ces genre de choses. Et arrêtons avec cette mentalité, il est mentalité Niamoubaya et Mukini. Tenez chez Mukini Kumbele en soutenant les actions du chef de l'État. Ce n'est pas en critiquant qu'on va trouver justement des solutions. Vous avez des critiques, mais oui, venez aussi proposer. L'opposition aujourd'hui est en train de critiquer. Mais qu'est-ce que eux proposent? Merci. On critique en proposant quelque chose. Mais l'une des choses sur le terrain, moi j'y étais aujourd'hui, à l'école Bakita, et aussi à une autre école, j'étais là aujourd'hui. Je me suis renseigné en personne. Merci beaucoup. Si vous permettez, on rappelle aux téléspectateurs, ceux qui veulent interagir, dans l'appel d'Akuita, c'est le moment pour vous. Yakuita, on a posé question à Apple. On va prendre juste quelques appels parce qu'il ne nous reste que 7 bonnes minutes pour conclure avec cette émission. On prend ce tout premier intervenant. Allô, bonsoir. Bonjour, monsieur Trésor. Bonsoir. À qui avons-nous l'honneur et votre question, s'il vous plaît? C'est monsieur Tel, quelque part, je vous appelle. Maintenant, je voulais dire à monsieur Trésor. Il y a un enseignant qui m'a appris qui est en train de mentir. Bonjour, t'es en train de dire. Ministre, nous avons fait la convention, il y a l'État. L'Europe a fait un dialogue entre les Congolais et les Chinois. Ma détournement, il y a ma France, il y a ma joue de francophonie. Il y a la question de la ministre authentique qui va s'en aller, mais qui va écouter un rama. Il y a la question de la ministre de Boulevard, la Landa, ma mère, on est sans. Merci beaucoup de votre question, c'est compris par l'invité. 099-389-3324. 099-389-3324. On va prendre cet autre intervenant. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Trésor. Bonsoir. À qui avons-nous l'honneur de votre question? Monsieur Trésor, comprenez un peu les idées comme celui de ce monsieur qui vient de quitter le micro. Est-ce que ça peut avancer la République? Or, si Ambongo parle à mal de la gratuité, c'est puisque lui est payé pour ça. $1 par élève. Maintenant, à l'école Bakita, tous les professeurs sont payés. Alors, comment confondre l'école primaire et l'école secondaire? Alors, Minasema, Baliban, Tubashio, Mapendo, Bachi, gouvernement, Kufanya Kazi, Kwadjina Raesu. Merci beaucoup de votre point de vue. 099-389-3324. 099-389-3324. 081-008-1614. 081-008-1614. Onaïta, on a posé question à Yako, invité à Takujibuya. Onaïta, on a posé question à Swahili, à Takujibuya, aussi d'y sentir gêné parce que l'émission est aussi bilingue et a plus que jamais besoin d'atteindre plus la population de la montagneuse vie délicatie. Merci à ceux qui nous font des signes de vie. Nous avons besoin de vos idées, de vos points de vue, de vos questions. Rapidement, au sujet de la gratuité, c'est quoi l'impact de la gratuité sur l'enseignement en République démocratique du Congo selon vous? Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, ça va-t-il le coco? Ah, problème est pour ici. Non, c'est comme je dis. Il est comme un bébé. Bah, il est
kapapati franga ya kutokana zili barbalaka. Sasa matoto yetu, harapunde nuzuri. Masomo. Siko nguvu wende na masuta wa bichini. Ile mwana kuna narifika. Ni masomo ya watu narifika. Mate, dirite, dirite. Kama ni kulipa, museme, kwanza kulipa, juma tetezi, bakuwe na nusio mkipu wa kipu prime. Jo problem tuko nae. Merci beaucoup de votre point de vue. 099-389-3324-081-00-1614. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Trésor. C'est monsieur Delphin depuis Canon. Monsieur Delphin, ça outine quoi? Accent de Goulard. On vient à que c'est ma vie. Par exemple, c'est ma haut. À tourner, à quoi? C'est pas tout. Tu viens à fonder ma somme au Mbaya. Papa, ma somme avant de fonder Mbaya, pas comme ça, ça. Hata pale tunaanza kulipa makuta papa wangu, watoto wanaanza kufunda paka muba, muba era hii masomo ya leo ya kuma siber. Ndio mtoto kudesine carte de Congo, ipende pa siber la kama desine carte la vitu vinaanza leo. Uwe mnafaa kusema leo pa gratuite au masomo gratuite watoto wafunde bien. Papa watoto wana funda, bila unapashi wa wafunda paka vile mbele antanda bengine wana kwanza kufunda pa profite, wafunda na bo masomo. Asante. Merci beaucoup. 099-389-3324 081-00-1614. Bonsoir, monsieur Trésor Montou. Je voulais intervenir en disant on prend cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Trésor Montou. Bonsoir. À qui avons l'honneur de votre question? C'est monsieur Trésor, quelque part, au commis de Banda. Oui, monsieur Trésor, vous avez la parole. Je voulais poser la question à notre camarade de l'Union Sainte. Quelle est la chance des enfants qui étudient dans les écoles privées, à l'école primaire, parce qu'eux sont soumis à payer les frais de l'État. Ils sont aussi des enfants du Congo. Quelle est la chance pour ces enfants qui étudient dans les écoles privées comme ça? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. Allô? Les téléspectateurs est parti, 099-389-3324-081-00-1614. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô? Allô, monsieur Trésor, monsieur Max. Oui, ça a une quoi? Ah, on a connaissé la réunion sacrée, bâti et bongo. Ça fait 4 ans que nous avons dit ma promesse ni qu'on enseigne. Donc on a besoin de secondaire pour la gratuité, pour primaire, pour gratuité. 300 000 il y a des gens qui vivent dans le monde, qui m'ont dit qu'on a besoin de l'université, pour primaire. Merci beaucoup de votre question. Je pense que toutes les questions auront des réponses dans cette émission. Bonsoir, monsieur Trésor. Je voulais dire merci beaucoup. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Trésor Montou. Oui, bonsoir. À qui avons l'honneur de votre question? C'est Michel quelque part. C'est la peine d'accouvoir ici. Depuis quand mon congé va rentrer à Koukipaka, à Bamouari. Mais, une mois qu'il y a, on a mon congé, on a dit à Bamouari, ou lisa Bamouari, nous, on va conscient. Pourquoi pas dans la peine d'accouvrir ma maman et tribalisme dès que mon réalité, c'est ma maman la famille. Mais je suis attendu 100%. Parce que c'est le but de Yahoo. Merci beaucoup, 099-389-3324. Merci beaucoup, en tout cas, on prend cet appel. Allô, bonsoir. Merci beaucoup de votre point de vue. 099-389-3324. Oh là là, les téléspectateurs sont partis. Bonsoir, monsieur Trésor. Je voulais intervenir en disant ceci. Les gens de l'Union Sacrée, qu'ils... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en plus, depuis que ces problèmes de la gratuité a commencé, la pédagogie est par terre. Nos enfants n'étudient plus normalement et les enseignants souffrent sérieusement. C'est mieux que chaque parent prenne en charge son enfant. Ça, c'est d'après ces téléspectateurs. On prend
deux ou trois SMS rapidement et l'invité va devoir conclure parce que le temps nous fait largement défaut. Bonsoir M. Trésor Moutou, je salue votre invité et merci beaucoup. On prend ça comme les tout derniers appels. Allô, bonsoir. Allô, M. Trésor Moutou, bonsoir. Bonsoir, à qui avons l'honneur de votre question? M. Freddy, je vous appelle de quelque part. La Fondation nationale de vie, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, il y a une idée d'enseignement gratuit. Nous avons dit ministre Kani, où l'on peut faire la fondation de l'État. Nous avons dit que la poigne, tout ça, le coup, vous le savez, nous avons dit 200 personnes. Comment le Baba Nassi, à la Kiarabiche, à quoi que ce soit, il y a une de mes taux, comme il y a l'État, il y a Bouli. Beaucoup de 200 personnes, nous avons dit 200 personnes. Il y a 4 maçons, mais il fallait nous maçons. Est-ce que vous avez dit que nous avons formé une qualité ou bien une quantité de la peine de vie, qu'on brûle tout actuellement? Merci beaucoup. Désolé en tout cas, chers téléspectateurs. L'État nous fait défaut. La direction des programmes nous presse déjà pour arrêter avec cette émission. Bonsoir, M. Trésor Moutou. Je salue votre invité et j'ai une question à lui demander. Aujourd'hui, le taux des 100 dollars américains est à combien? Et les enseignants qui donnent cours dans les écoles publiques, on leur paye à quel taux? Merci beaucoup. C'est la question que les téléspectateurs posent. En tout cas, on prend cet autre message qui nous dit qu'est-ce que votre invité appelle étudier dans des bonnes conditions? Ce qui est bon, c'est protéger les élèves et tuer l'enseignant avec un salaire qui ne lui permet pas de respirer. Lui peut vivre, scolariser ses enfants avec ses salaires des enseignants. Un autre message, comme aussi les derniers messages, parce que désolé, chers téléspectateurs qui nous appelaient, on ne sait plus prendre les appels. Bonsoir, c'est Freddy, depuis quelque part, car le monde délicatie, je vous, merci beaucoup, demandeur, en tout cas, nous ne savons vraiment pas ce que vous avez écrit, parce que votre message n'est pas vraiment cohérent, monsieur Freddy. Alors, rapidement, réaction, à... oui. Parce qu'il ne vous reste que 2 minutes. Ok, merci beaucoup. Maintenant, vous dites beaucoup à téléspectateurs. Qualité enseignement, Aïna Pamoukouakati, il y a gratuité de l'enseignement. C'est ça, de un, nous devons retenir. La qualité de l'enseignement, il y a un collègue qui est mis à main. Deuxièmement, aujourd'hui, ma professeur Léo, c'est vrai que ça lève beaucoup dérisoire, même le ministère reconnaît, même le gouvernement reconnaît. C'est pourquoi il y a ma jour, aller poser au professeur que l'Évangélisé a quand même quelque chose. Et c'est quelque chose quand même, c'est une volonté qu'on manifeste que de rien avoir. Vous voyez? Troisièmement, Balatambia, Mambo, il y a ma balancement des enfants, 150 personnes, ma école, moi. On vient de le dire ici que Mambo, il y a surpopulation ou ma classe, c'est une question qui va être réglée, puisque là, il n'y a que des villes. Une à connaître, il est ma problème. Et si vous qui êtes patriote, vous avez assez de moyens, allez aussi appuyer l'État. L'État a aussi des tâches qu'il doit justement faire. Et puis, si nous sommes vraiment patriotes, accompagnons l'État par cela. Et puis, l'une des questions, vous qui dites que c'est mieux, bon, tout banque pour l'IPA et tout, vous n'avez pas de l'empathie, à moi, on a ma peine. Donc. Mon appel la ville, Batoto, il y a Benzenu. De Kunekala, Chini, Abafunde, puisque aujourd'hui, gratuité de l'enseignement, il va permettre Naoule, Ashkwanze, Bazazek, Abana, Makuta, et Kunenda, quand même, comme un somo, Baramuzia, Koukamani, Baïniforme, un homme, Arafunda, niveau primaire. Soyons reconnaissants. Et puis aujourd'hui, enseignant, Mouakat et ma congé, de vous ne barrez pas. Aujourd'hui, écoutez, la solution, elle ne sera pas trouvée en un seul jour. Le développement, c'est un processus. L'autre, tout dans la gratuité de l'enseignement, on a rencontré ma problème. Et ces problèmes seront réglés. Puisqu'aujourd'hui, il y a un fonds de promotion qui est là, de l'éducation professionnelle, que le ministère a mis en place pour régler ma problème. Population, et qu'on a rencontré mon cadre, il y a gratuité de l'enseignement. Ayons le courage d'applaudir, de dire merci beaucoup. Au gouvernement qui a mis en place une bonne politique, il y a Kondesha Moukini Koumbele. Et puis aussi, vous qui amenez vos enfants à une école privée, acceptez que vous ne courriez pas, puisque là-bas, il n'y a pas la gratuité de l'enseignement. Merci la beaucoup. Merci. Uniquement pour une école privée où vous devez amener vos enfants. Et puis, la question, il y a niveau, il y a éducation, c'est une question d'abord qui est globalisante. Attendez, vous résoudre Léo. Niveau, il y a éducation, il y a tout.
c'est depuis la colonisation, on doit revoir notre système éducatif. Et je pense, si nous donnons le deuxième mandat au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans être d'abord tribaliste, le monsieur y travaille, et puis le monsieur Mouane Kounakouya, nous, on va revoir le système éducatif. Il est vraiment tout guamo. Dieu il a produit Bamingi Léo, donc Nandjika, avec beaucoup de fautes. Le français aujourd'hui, c'est un problème. Nous avons de grands problèmes au niveau de notre système éducatif. Nos universitaires, Balek, on a Ishaléo, on m'a mis Tandjika d'être des demandes d'emploi. Il n'a pas de problème. Alors, le système éducatif, il souffre. Et la question du Congo, d'abord, c'est d'abord notre problème de mentalité. Regardez le monsieur qui a intervenu ici avec acharnement. Vous voyez, déjà avec ça, on ne peut pas développer un pays. Nous devons changer d'abord notre propre mentalité. Même si un autre président venait à part Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous aurons toujours le même problème. Mais la question est de l'accompagner dans ses initiatives. Oui, ma vision est Ekunayo, Joe Mukini, Itaenda Kumbele. Ce n'est pas en changeant des personnes, mais c'est en accompagnant. Puisque tous ne sont pas appelés à être président de la République. Vous voyez, être président de la République, c'est une destinée que Dieu trace pour un pays. Elle n'a pas plus que tu es, je ne sais pas, homme d'affaires et tout, que tu peux être président de la République. C'est une destinée. Non. Merci beaucoup. C'est une destinée. Merci beaucoup, monsieur Kaboko Wamuila Boanerges, d'avoir répondu à notre invitation. Mais une question à laquelle vous attendiez que je puisse vous la poser, je n'ai pas eu à le faire, vous répondez à partir. Une question. Je vous demande à vous de vous poser une question et d'y répondre. Ok. Voilà. Je suis candidat à la députation provinciale Fier Nicassien et ton Lomba accompagnera nous. Bientôt, ma numéro de Katoka. Merci beaucoup. Nous saluons le maire de la ville, nous saluons le coordonnateur de l'Union Sacrée, notre provisor, qui est notre supérieur au niveau de l'Union Sacrée. Nous saluons aussi le parti politique UDPS Kibassa, où je suis membre cadre de l'Union Sacrée, de l'Union Sacrée en même temps de notre parti politique. Nous saluons le monsieur Augustin Kibassa Maliba, qui est le ministre de notre président national. Nous saluons aussi le président sous-fédéral de l'Evoa Nekassi, le camarade Emmanuel Ducombe. Alors, nous saluons aussi, chère population, restons dans l'amour. Le Congo, il faudrait tout souder. Division, Dieu nous a permis que bâton infiltré Léo et que tout vivre dans ma précarité. Question il y a sociale, c'est une question il y a indépendance économique. Là, nous sommes à la quête d'une indépendance économique. Le social ne sera pas résolu du jour au lendemain. Merci beaucoup. Nous devons aller à une indépendance économique puisque pour jouir, il y a social. Mais pour jouir de ce social, il faudrait que nous, Congolais, nous soyons unis, pas divisés, puisque l'extérieur veut nous diviser pour mieux régner en nous imposant des gens que eux manipulent facilement. Soyons conscients, chers Congolais, restons soudés autour de la République, parce qu'ensemble, nous allons justement réussir avec le président actuel et aussi avec l'accompagnement de toute la population. Merci à vous et surtout, n'oubliez pas de prier pour le président de la République, c'est très important, car notre paix dépend aussi de la paix de la RDC. Merci, madame, monsieur, d'avoir suivi votre émission face à face sur les ondes de la centrale radio. Ne nous tenez pas rigueur des pensées du temps. La pression monte déjà du côté de la direction du programme. Nous sommes obligés d'arrêter par ici. Merci, monsieur Kaboko Wamuila. Merci à vous. Wamuila Boanerges, d'avoir répondu à notre invitation. Retrouvez cette émission en rédiction demain sous les coups de 6h et 10h. Notre présence sera rendez-vous demain, 19h, pour un autre numéro d'émission face à face. Les débats de ce soir sur les ondes de la centrale radio et télévision. Prenez soin de vous par achat de vos satellites.